Non, j'ai aussi ma position olympique de 35 places, ce qui est beaucoup. J'étais rank 66 au début de 2022. Maintenant, je suis rank 31. Donc, je trouve qu'en un an, c'est l'année où j'ai fait le plus de progrès dans ma vie. Si je continue comme ça, je suis presque sûre qu'il y a un espoir d'arriver aux Olympiques. Et aux JO de Tokyo, quel était ton ranking olympique pendant les qualifications? Aux Jeux Olympiques de Tokyo, je pense que mon ranking était dans les 90, 100 peut-être. Parce que j'avais pas encore commencé à lancer à cause du Covid. On commence à prendre les points du ranking quand je suis senior. Puisqu'avec le Covid, la première année où j'étais senior, j'ai pas pu beaucoup participer dans les compétitions. Donc mon ranking n'était pas tellement haut, j'étais entre les 100. Et avec ça, j'ai toujours pu arriver 3e aux qualifications. Pour aller aux Jeux Olympiques, je dois être entre les 6 premières du Olympic Ranking. Maintenant, mon Olympic Ranking, il est 31. Mon World Ranking est 18. Je pense qu'avec un an, il y a encore les championnats du monde et les Asian Games et plusieurs compétitions cette année. C'est possible que je hausse mon ranking et arriver dans les 6 premières du Olympic Ranking. Mais si ça ne marche pas, je peux toujours participer aux qualifications d'Asie. Si je suis première ou deuxième, aussi je peux me qualifier. Maintenant, le but, c'est de hausser mon ranking autant que je peux. Comme ça, même si je ne suis pas en physique première, aux qualifications d'Asie, j'aurai un bon ranking. Donc, je serai de l'autre côté du draw sheet de la numéro 2. Donc, comme ça, c'est plus facile d'arriver en demi-finale. Là-bas, je dois juste arriver en demi-finale. Et le classement des 6 premières, c'est fin 2023. C'est quand la date? C'est janvier 2024. Janvier 2024. Et le tournoi qualificatif, c'est en février, mars? Le tournoi qualificatif, c'est en 2024, à peu près en mai-mars. J'étais au championnat du monde depuis à peu près 3 semaines. Je jouais mon premier match contre la rank 15e au monde, qui est l'Autriche. Je l'ai battu avec une différence de 12 points, 2-0, j'ai gagné les deux rounds. J'ai joué mon prochain match, le round of 16, contre la Chinoise, qui est rank first, qui n'a jamais perdu aucun match cette année. J'ai perdu contre elle, elle a eu la médaille d'or. J'ai été placé 9e en total au championnat du monde. C'était Taekwondo à 8 ans. Pour moi, c'était un sport comme tous les sports, je faisais plusieurs. Et puis à 13 ans, j'ai participé au championnat du monde cadet. J'ai vu la grandeur de l'événement et combien c'était beau. Puis à 14 ans, j'ai participé au Turkish Open et j'ai gagné ma première médaille internationale qui était une silver. Et après, petit à petit, j'ai commencé à voyager de plus en plus et je suis restée genre peut-être pour 2 ans, j'ai perdu aucune compétition. Je me suis dit, avec ce sport, je peux arriver quelque part à un haut niveau, je peux hausser le drapeau de mon pays. Je veux faire quelque chose d'important. Mais il n'y a pas quelqu'un qui t'a incité, quelqu'un dans ta famille, un ami, une amie? Maintenant, mes parents sont deux très sportifs, ils s'entraînent plus que moi même maintenant. Ok. Donc, ils m'ont toujours poussé vers le sport. Même avec les études, ils m'ont toujours dit non, tu peux toujours faire les deux. Et ils m'ont toujours accompagné. Et dans toutes les compétitions, ils venaient avec moi et m'encourageaient. Et chaque fois que j'allais à une compétition, j'ai vu de plus en plus. Je devenais amie avec des gens dehors. L'ambiance est très belle. Et je voyais que je vois que mon niveau, il peut me permettre d'arriver à quelque chose de plus grand, genre aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde. Et surtout, c'était quand j'étais en cadet, j'avais 14 ans, je gagnais la médaille d'argent aux championnats d'Asie. Ça m'a montré que oui, au fait, j'ai le niveau international. Je peux même me battre avec les gens qui s'entraînent chaque jour qui font que taekwondo sans étudier en même temps. Donc je me suis dit, non, pourquoi pas.